c'est « je t'aime, moi non plus, va-t'en, reviens », etc. C'est, bon, c'est du Shakespeare, et c'est la passion vue par Shakespeare, donc c'est pas qu'à moitié. Alors, je vous donnerai un ou deux petits détails après, mais je vous lis celui-là que j'aime beaucoup, le 29. Donc, le 29. Méprisé par la fortune et par tous les hommes, je déplore, reclus, mon état de prostitution. De mes cris impuissants, j'indispose le ciel et je me considère et je maudis mon sort. Comme tous, je voudrais être plein d'espérance, être entouré d'amis et être reconnu. Je voudrais leur talent, j'envie leur influence, impatient de désir et jamais satisfait. Pourtant, dans ces pensées, je me méprise presque. Puis, j'en viens à songer à toi. Et me voilà comme l'alouette à l'aurore, s'élevant de la terre pour chanter des hymnes au ciel. Je pense à ta tendresse, et c'est un tel trésor que me passe l'envie de jalouser les rois. Wow. Bravo. Alors, à qui les sonnets étaient-ils destinés? Je réponds à votre question. Alors, au départ, sur la première page, il est marqué qu'ils sont destinés à un certain W.H. Alors, on ne sait pas son nom, on ne sait pas qui c'est. Moi, j'ai une petite idée, mais bon. Donc, c'est un jeune homme. Et on découvre très, très vite qu'il s'adresse effectivement à un jeune homme. Mais on découvre aussi très, très vite deux choses. Premièrement, que le jeune homme, bon, il ne couchera jamais avec. C'est une espèce d'admiration. Ah non, non, mais je peux vous le prouver. C'est une espèce d'admiration assez sublime. Et puis surtout, il est très vite question aussi de la maîtresse du poète, la maîtresse de Shakespeare. Et puis il est très vite question que le jeune homme couche aussi avec la maîtresse. Alors, j'ose à peine dire ça, parce que c'est ce que les Anglais appellent le French Triangle. Oui, c'est ça. Le triangle français, c'est-à-dire que, bon, c'est le vaudeville, il y en a toujours dans un placard. Mais sauf que c'est pas un vaudeville, c'est du Shakespeare. Parce qu'en fait, ils passent leur temps à se disputer les uns les autres. Et évidemment, bon, et c'est terrible, terrible. Alors, si vous voulez un sonnet érotique, je pourrais vous en donner. Ah oui, en fait, oui, il y en a assez peu, essentiellement sur la dame sombre, enfin la maîtresse, on l'appelle la dame sombre, the dark lady. Sur le jeune homme, il n'y en a pas d'érotique, je suis désolé. Mais sur la dame sombre, il y en a quelques-uns, donc exemplaires, si vous voulez. Mais comment Shakespeare, malin comme il est, négocie-t-il ce trio? Alors, c'est assez subtil. Parce que bon, vers la fin du sonnet, ça dégage. Mais au milieu du recueil, dans la première partie du recueil, il essaye de négocier cette espèce de ménage à trois, si vous voulez. Alors, j'avais parti de le lire, et puis sur le devant, vous allez voir comment Shakespeare négocie ça, sonnet 42. Alors, vous allez vite comprendre, quand il dit « je », c'est lui. Quand il dit « tu », c'est le jeune homme. Quand il dit « elle », c'est la maîtresse. Quand il dit nous, c'est nous tous. Et quand il dit vous, c'est le jeune homme et la maîtresse. Tu es ? Ah bah, c'est grammatical. Je, tu, elle, nous, vous. D'accord ? Non, mais vous allez voir, c'est du Shakespeare, on arrive à comprendre. Alors, a priori, il s'adresse au jeune homme et voilà ce qu'il lui dit. Qu'elle soit à toi, ne fais pas tout mon malheur. Pourtant, en vérité, je l'aimais tendrement. Mais que tu sois à elle est une autre douleur. Un revers amoureux qui me touche au plus près. Amoureux criminel, je vous excuse ainsi. Tu l'aimes parce que tu sais bien que je l'aime. Et parce qu'elle m'aime, elle se joue de moi, laissant celui qui m'aime approuver son dessein. Si je te perds, le gain est pour celle que j'aime. Si je la perds, mon ami recouvre ma perte. L'un à l'autre attaché, je les perds tous les deux. Et tous deux, en m'aimant, me clouent à cette croix. Par bonheur, mon ami et moi ne faisons qu'un. Ah, la douce illusion, au fond, c'est moi qu'elle aime. C'est super. Il triche un peu. Alors, à la fin, ça se gâte parce qu'il a. Alors, il essaye de dire il y a transposition, mais ça marche pas jusqu'au bout. Alors, puisque vous en voulez, au lieu de demander avec insistance, des sonnets érotiques. Alors, je suis désolé, il y en a très peu. Alors, il y en a très peu, mais il y en a un. Alors, et en plus, il n'y a pas l'érotisme très légal de Shakespeare. Alors, le plus connu dans la série, c'est le 129. Donc, je vais vous lire le 129. Ça aurait pu être 169. Non, il y en a 154, alors.
Alors le 129. On perd toute substance à entraîner la chair dans les excès, mais le désir charnel finit par trahir. Assassin, sanguinaire, coupable, sauvage, extrême, brutal, cruel, déloyal. Dès le plaisir atteint, déjà on le méprise. Comme un fou, on le traque. Aussitôt qu'on le tient, on le hait comme un fou. On a gobé l'appât qui était posé là pour rendre l'homme fou. Fou dans sa quête, aussi fou dans la possession. Possesseur, possédé, avide, immodéré, rayonnant dans l'épreuve, amer après l'épreuve. Un plaisir s'offre à lui et ce n'était qu'un songe. Tout le monde sait ça, mais nul ne sait comment on fuit ce paradis qui conduit à l'enfer. Oh, oh, oh. Bon, je peux vous en faire des un petit peu plus joli que ça. Oui, ah, oui. Non, celui-là, c'est parce que vous avez demandé. Alors, on va faire un petit échantillon. Ah, un qui est plutôt gentil. Alors, si vous voulez, je peux alterner le dramatique et le moins dramatique. Alors, un qui est très très joli. Donc, je ne vais pas faire dans le trop dramatique. Un qui est très joli. Alors, il dit vous, mais là, par contre, il s'adresse au jeune homme. Mais le jeune homme, il le tutoie, il le voit. À l'époque, les Anglais, ils avaient les deux. Hein, ils avaient thou et you. Et ils tutoyaient indifféremment et vous voyaient indifféremment les gens. Et puis, ils ont abandonné le tutoiement. Ils l'ont laissé à Dieu, tutoie Dieu, et le vouvoiement, c'est you pour tout le monde. Mais à l'époque, ça se mélangeait un petit peu. Donc là, il le vouvoie, mais c'est toujours au jeune homme qui s'adresse. Voilà. Vous êtes à mes pensées comme du bon pain, comme les giboulées alimentent la terre. Pour ne pas trop souffrir de vous, je dois lutter comme on voit un avare usé de sa fortune, jouissant de ses biens, ou quelquefois inquiet que le temps, en passant, lui vole son trésor. Tantôt, je suis ravi d'être seul avec vous. Tantôt, il me plaît mieux que tous voient mon plaisir. Quelquefois, rassasié de vous voir de si près, et bientôt, éperdu en quête d'un regard. Je ne possède ni n'envie aucun plaisir, sauf ce que vous m'offrez ou que je vous dérobe. Jour après jour, je me repais et me languis, soit à vous dévorer, soit à manquer de tout. Alors, je vais alterner au jeune homme et à la maîtresse. Alors, un à la maîtresse. Alors, les rapports qu'il a avec sa maîtresse, bon, on l'appelle The Dark Lady parce qu'elle est très brune. Mais elle est noire à tout point de vue. Ah, bon, on comprend qu'elle n'est pas que la maîtresse de Shakespeare. Elle est la maîtresse de beaucoup de monde. Oui, bah, quand même. Mais enfin, il lui trouve un milliard d'excuses. Alors là, un sonnet un peu gentil, le 138. Il est un peu gentil, celui-là. De temps en temps, il est méchant avec elle. Il est un peu gentil. Ma maîtresse prétend ne jamais me tromper, et je la crois, bien que je sache qu'elle ment. J'essaie donc de passer pour un jeune ignorant qui ne sait rien encore des fourberies du monde. Convaincu, bien à tort, qu'elle me trouve jeune, tout en sachant mes plus beaux jours derrière moi, j'accorde du crédit à ses propos menteurs. Ainsi, des deux côtés, la vérité est tue. Pourquoi ne dit-elle pas qu'elle est infidèle ? Pourquoi ne dis-je pas non plus que je suis vieux ? L'amour revêt toujours un semblant de confiance et les amants âgés se taisent sur leur âge. Nous couchons donc ensemble, ensemble nous couchons, maquillant de mensonges nos imperfections. Alors je précise quand il dit qu'il est vieux, il a 35 ans. Hein. Alors à l'époque, les âges. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était déjà mieux. Oui, alors, bon, les gens vivaient. D'accord. Hein. Et quand. Alors c'est l'époque de Montaigne. Hein. Quand Montaigne prend sa retraite à 45 ans pour écrire ses pensées, etc., il dit je suis à l'automne de mon âge, maintenant. Il a 45 ans. Bon. Donc, lui, à 35 ans, il se considère comme vieux. Et le jeune homme en question, qu'il poursuit, d'après
que je crois, c'est un adolescent. Il a entre 15 et 17 ans. Mais alors évidemment, il a toutes les perfections. Et il est beau, il est riche, il est intelligent, il séduit tout le monde. Ce que lui, Shakespeare, passé 30 ans, ne sait plus faire. Donc en fait, il y a une forme de jalousie, si vous voulez, par rapport à cet individu. Et évidemment, la maîtresse s'intéresse franchement plus au jeune homme qu'à lui. Et la maîtresse, elle a quel âge? Alors, on ne sait pas. Parce qu'il ne la nomme jamais. Et sur le jeune homme non plus, moi je dis que c'est un adolescent. Bon, à mon avis, elle a une petite trentaine, parce qu'on devine qu'elle a quand même un peu quelques heures de vol à l'époque. On va dire qu'elle a de l'expérience. Bon, voilà. Mais il y a aussi des poèmes extrêmement beaux, si vous voulez, des poèmes de pur amour. Je vais essayer de vous trouver un poème de pur amour. Alors j'en ai des tristes aussi. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Le 115. Jeanne se régale, là. Je le vois d'ici, tu te régales. Dans les deux sens. J'adore écouter. Ah oui, parce que là, je sais que. Je te connais. Hein. Bah oui, tu me connais. Alors, sonnet 115. Alors, 115, ça veut dire c'est déjà vers la fin du recueil, enfin, la troisième partie, du troisième tiers du recueil. Donc, il a déjà une expérience derrière lui. Alors, il écrit ceci. Ces vers que j'ai écrits autrefois sont menteurs quand j'ai cru ne jamais vous aimer davantage. Car ma pauvre raison alors ne savait pas que ma flamme pourrait brûler d'un feu plus clair. Mais le temps calcule autrement. Mille accidents bousculent nos serments et les décrets des rois. Ils fanent la beauté, émoussent les désirs, brisent les esprits forts au gré des circonstances. Pourquoi donc, redoutant du temps la tyrannie, ai-je affirmé à tort, je vous aime le mieux? Je n'avais simplement aucune incertitude, je croyais au présent et me moquais du reste. L'amour est un enfant, lors j'aurais dû me taire pour laisser s'épanouir ce qui grandit encore. Ça va tourner les confinements, hein? Je vous ai dit. Je faisais lire Shakespeare. Ah bah c'est Shakespeare. On a Shakespeare. Hein. Alors, il y en a des un petit peu moins drôles. Je vous en dirai qui n'est pas drôle. Mais qui est très connu. Après, je vous en dirai qui est pour vous soulager. Alors, le 71 est très connu, je vous dirai pourquoi. Parce que, et je vous le dirai aussi en anglais, parce qu'il sonne très 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 bien en anglais. Alors, ce que j'ai essayé en français, c'est pas tout casser, la musique anglaise. Mais bon, c'est du français, enfin avec le français. Alors, le 71, voilà ce qu'il dit. Ne portez pas mon deuil à ma mort plus longtemps que vous n'entendrez le sombre bourdon sonner. Qui au monde dira que j'aurais fui ce monde pour un séjour parmi les vers les plus immondes? Si vous lisez ceci, ne gardez pas en tête la main qui l'a écrit, car je vous aime tant que je préférerais être oublié de vous si de penser à moi devait vous faire mal. S'il advenait pourtant que vous lisiez ces lignes, quand je me confondrais peut-être avec l'argile, n'allez pas répéter sans fin mon pauvre nom. Laissez plutôt périr votre amour après moi, car tous les gens sérieux, en vous voyant pleurer, se moqueraient de vous et de moi, même mort. Ça plombe un peu. Hein. Bon, alors, il est très connu, je vais vous dire pourquoi. Alors, tous les sonnets de Shakespeare ont une musique formidable. Mais dans la version originale, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous allez tout de suite deviner la musique. Donc, le même sonnet dans la version originale de Shakespeare. No longer mourn for me when I'm dead, then you shall hear the solemn bell. Give warning to the world that I'm fled from this vile world. With violent words to dwell. Nay, if you read this line, remember not the hand that writ it, for I love you so, that I, in your great sort, would be forgot, if thinking on me then should make you woe. Oh, if, I say, you look upon this verse, when I, perhaps, compounded am with clay, do not so much as my poor name rehearse, but let your love, even with my life, decay, lest the wide world should look into your moan and mock you with me after I am gone. Oh, c'est super demandé. Ah oui. Alors, c'est le même poème, donc
comme j'ai dit, sauf que j'ai changé d'instrument. J'ai pas traduit les sonnets, je les ai transposés musicalement. Parce que les Anglais, ils jouent sur un violoncelle. Et nous, les Français, on joue sur un piano parce qu'on a une langue très syllabique. Donc, on joue sur un piano. Alors, comment on reconnaît la même musique quand on passe du violoncelle au piano? Il faut avoir une bonne oreille. Ce que j'essaye de faire, mais c'est pas évident. Et je voulais vous répondre aussi, est-ce que j'ai traduit les rimes? Non, parce que ça ne rime plus. Et voyez, par exemple, ce sonnet, il ne rime pas, puisqu'à la fin, il fait rimer « moon » avec « gone ». Donc, à l'époque, on devait prononcer « mon » et « gone ». Maintenant, on dit « moon » et « gone ». Alors, les rimes se sont perdues. Alors, si elles se sont perdues, je me casse pas la tête. Alors, pour vous consoler d'un poème un peu triste, je vais vous faire un poème un peu beau. Donc, c'est le poème d'amour par excellence. Le sonnet 116. Je doute que les liens de deux âmes sincères puissent être empêchés. L'amour n'est pas l'amour. S'il en vient à changer devant le changement, ou s'il cède dès qu'il se sent abandonné, au contraire, c'est un repère indépassable qui résiste au typhon et ne chancelle pas. Il peut servir d'étoile à la barque en détresse, on en doute parfois, même quand on la voit. L'amour n'est pas le bouffon du temps, même si lèvres et joues carmin souvent lui font escorte. L'amour ne change pas avec le temps volage, mais il tient bon jusqu'au rivage de la mort. Si tout cela est faux et peut m'être prouvé, je n'ai jamais écrit, nul n'a jamais aimé. Ah, c'est du futur, hein? C'est du lourd. Alors, encore un ou deux pour la route? Alors, puisqu'on a fait un peu plus léger, parce qu'il y en a des légers, des lourds. J'ai pas mis les plus horribles dans cette série. Alors, sonnet 14. Comme si au début du sonnet, il est encore un peu guilleré. Je ne tiens pas du ciel tout ce que je connais. Il me semble pourtant que je suis astrologue. Non point pour annoncer fortune ou infortune, ni fléau, ni malheur, ni le temps qu'il fera. Je ne saurais non plus prédire l'avenir, annoncer à chacun la pluie, le vent, l'orage, ni dire des puissants s'ils feront de bons princes, ni dévoiler ce que dans le ciel je découvre. De tes yeux seulement, je tiens tout mon savoir. Deux astres permanents, et tu m'enseignes que vérité et beauté s'épanouiraient ensemble, si tu t'offrais enfin en t'oubliant toi-même. Sinon, de toi déjà, j'entrevois l'agonie, vérité et beauté périssant avec toi. Bon, la structure professionnelle, c'est 4-4-4-2. Alors, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est pas la même structure que les sonnets. Absolument. Ah, ben vous avez tout compris. Il me semblait bien. Alors, les sonnets de Shakespeare, ils sont écrits. C'est une érudit. Ils sont écrits d'un bloc, avec les deux petits derniers décalés, le petit district final. Mais avec les effets de rime et puis les effets de sens, j'ai compris qu'il y avait en fait trois quatrains et un district à la fin. Donc on a bien 14 vers comme un sonnet français, mais au lieu d'être 4-4-3-3, c'est 4-4-4-2. Mais ça marche. Et du coup, les deux derniers, comme vous avez vu, ça sert à faire une petite conclusion, une petite chute à chaque fois. Ça y est, vous avez tout vu, hein? Alors attendez, j'en ai juste un dernier. Puis après, si vous voulez vous poser des questions. Alors, un très très beau pour l'amour aussi. Là. Préparez vos questions. Hein. Préparez vos questions. Un très beau pour l'amour. Je me suis dispersé, cela n'est que trop vrai. Je me suis exhibé comme un bouffon de foire. J'ai vendu au rabais mes idées les plus chères, répété mes erreurs pour des amours nouvelles. Il est tout aussi vrai que je me suis méfié de la fidélité comme une chose étrange. Grâce au ciel, ces écarts m'ont purifié le cœur et rapproché de toi que j'aime plus que tout. Si tout est consommé, prends ce qui ne meurt pas. Plus jamais je n'aiguiserai mon appétit sur ce qui fait souffrir un ami de toujours, un dieu d'amour auquel je suis tout attaché. Fais-moi donc bon accueil
mon presque paradis. Reçois-moi sur ton cœur pur et tendre, si tendre. Il avait des moyens de faire craquer. Mais alors, ça s'adresse au jeune homme. Alors, il n'a jamais couché avec le jeune homme. Alors, est-ce qu'il en avait envie? Peut-être. Mais il n'a jamais couché avec le jeune homme. Alors, est-ce que vous voulez que je vous trouve? C'était un beau gagnimètre, mais il n'a pas... Non, non, alors, et tout simplement parce que je crois que le jeune homme se refuse. Hein. Oh. Et puis, le jeune homme, il est plutôt intéressé par la femme. La femme, c'est tout. Alors, on le sait, dès le sonnet 20, il y en a 154. Au sonnet 20, voilà comment il écrit le jeune homme. Et vous allez comprendre toute l'ambiguïté du jeune homme en question. Il s'adresse au jeune homme. La nature t'a peint un visage de femme. De ma passion, tu es le maître et la maîtresse. D'une femme, tu as la tendresse, mais sans l'inconstance et la ruse ordinaire des femmes. Ton œil étincelant, moins faux, moins aguicheur, fait briller tout objet sur lequel il se pose. Tu as l'aspect d'un homme et tous ses attributs qui charment les hommes et sidèrent les femmes. Sans doute à l'origine, tu fus créé femme, mais la nature en te formant, fut trop éprise par un petit ajout, elle m'a écarté d'un objet et d'un seul à mes fins sans objet. Elle t'a donc armé pour le plaisir des femmes. À moi va ton amour, à elle sa jouissance. Wow. Donc vous voyez qu'il n'était pas dupe, monsieur. Et alors, du coup, c'est très intéressant parce que quand il dit « la nature t'a fait un visage de femme », je pense que c'est là l'ambiguïté de départ. J'ai imaginé un WH, un jeune homme très jeune, je pense 15 ans, parce que c'est vrai que vous avez des ados, quelquefois, vous les regardez à deux fois en disant « c'est un garçon, c'est une fille ». En plus, ils avaient les cheveux longs à l'époque, ils étaient habillés de façon très affriolante. Donc, il y a une petite ambiguïté sur le personnage dès le départ. Bon, elle est courte l'ambiguïté, parce qu'après, il est courageux, c'est un jeune homme. Enfin bon. Et alors, du coup, de qui est-il amoureux, Shakespeare? Du jeune homme ou de la femme qu'il croit voir à travers ce jeune homme? Ah oui, c'est ça l'ambiguïté, oui, tout à fait. Eh bien, personne n'a jamais répondu à la question. Il est peut-être amoureux des deux? Oui, probablement. Je crois qu'il est amoureux de l'amour. Voilà. Alors, mais vous avez peut-être d'autres questions à poser, si je vous en fais un ou deux après, mais est-ce que vous avez une petite curiosité à satisfaire? Avez-vous des questions? Marie, n'hésite pas, Marie. Profitez de la présence de Shakespeare. Profitez, Shakespeare ne va pas venir tout le temps. Comment on est sûr que Shakespeare a écrit? Ah, très bonne question. Alors, il y a deux réponses. Première réponse, est-ce que son théâtre a été écrit par Shakespeare? Alors, il y a une vieille légende, mais alors c'est une vieille légende, inventée au 19e siècle, pardon, mais je ne fais pas le détail, c'était inventé au 19e siècle, cette légende de Shakespeare n'était pas Shakespeare, et depuis le 19e siècle, il y a autour de 80 candidats au poste de Shakespeare. Et encore, ils ont oublié de me dire moi, oui, c'est peut-être moi qui les ai écrits. Alors, bon, à mon avis, c'est Shakespeare qui a écrit les pièces. Quant au sonnet, alors là on est à peu près sûr, mais moi je jure sur la tête de Shakespeare que c'est lui qui les a écrits. Pourquoi? Parce que d'abord il les avait gardés pour lui-même et quand ils ont été publiés en 1609, d'abord il était vivant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées après sa mort, hein, récupérées plus ou moins bien d'ailleurs. Mais les sonnets 1, ils ont été récupérés, ils ont été publiés de son vivant, on ne les a pas vendus, mais ils ont été publiés de son vivant. Manifestement, il n'a pas gagné d'argent dessus, mais il ne s'est pas opposé à cette publication. Et puis alors surtout, les sonnets, oh, c'est du moi-je du début jusqu'à la fin. Il y a 154 sonnets, sur 154 sonnets, il y a 786 formes à la première personne. I, me, my, myself, etc. Donc c'est du moi-je du début jusqu'à la fin. Alors si ce n'est pas lui qui l'a écrit, alors... Je ne sais plus. Et puis en plus de ça, à force de le fréquenter, parce que je couche un peu aussi avec Shakespeare. On a fait plusieurs bébés ensemble. Quelle chance! Ah oui, c'est pas mal. Et donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a, dans les sommets en particulier, il y a une intimité de l'homme extraordinaire. Bon, dans les pièces, pas du tout. Dans les pièces, il se cache.
il n'est pas Othello, il n'est pas, et peut-être qu'il aurait rêvé de Roméo, mais il n'est pas Roméo, il n'est pas moi, etc. Il y a peut-être un seul personnage qui se rapproche de lui, c'est le dernier, c'est Prospero dans La Tempête, parce que Prospero, c'est un vieux monsieur qui va quitter la scène, et justement, c'est sa dernière pièce, il va quitter la scène. Enfin, il y a des correspondances formidables entre Shakespeare et Prospero. Le reste du temps, il n'y est pas. Or, comment le retrouver? Il a quand même conçu plus de 2000 personnages parlant dans son théâtre. Alors, il est où? Alors, je me suis évidemment amusé à aller le chercher. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Alors, pour aller le chercher, eh ben, il faut aller chercher là où il ne se montre pas. Et il y a deux, j'ai trouvé deux indices. Alors là, j'ai trouvé deux indices. D'abord, des personnages qui font des apartés. Des personnages secondaires qui font des apartés et on dit bah, pourquoi il vient de nous dire ça au milieu de tout là. Bon. Attends, c'est peut-être l'autre qui est en train de nous donner un indice. Et très souvent, je vous dis, c'est des personnages secondaires sans intérêt, méprisables, souvent des femmes. C'est pas qu'ils méprisaient les femmes, mais c'est souvent des femmes parce que bon, on les écoute pas. Hein. Non. Et il fait dire à certains personnages féminins des vérités que ça ébranle le théâtre. Hein. Bon. Alors il y a ça, et puis il y a le deuxième indice, c'est qu'il y a un certain nombre de personnages dans ces pièces qui prennent le récit en main au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un metteur en scène dans la pièce qui met en scène la pièce au fur et à mesure qu'elle se passe. Ouh, ce serait pas lui là qui mettrait la maison. Ben oui, c'est évidemment Shakespeare qui confère à un personnage de prendre en charge la pièce et de la mettre en scène. Alors si vous avez connu, si vous avez vu Beaucoup de bruit pour rien, le film de Plante, vous n'avez pas vu le film Beaucoup de bruit pour rien, nous devons faire ses sens à le voir. C'est la meilleure transposition cinématographique de Beaucoup de bruit pour rien. Ah, c'est merveilleux, c'est jouissif, c'est drôle et on pleure. Il y a tout. Ah, Zéphirine, bien fait. Oui, mais Roméo et Juliette, il n'est pas dedans, Shakespeare. Ah, c'est très bien. Zéphirine a fait le plus merveilleux. Oui, la Mégère a plus osé. Même son Hamlet, Zéphirine, est pas mal du tout. Mais Beaucoup de bruit pour rien. Et il y a entre autres un personnage qui s'appelle Don Pedro. Et Don Pedro dit. Alors, il y a deux amoureux qui se disputent à longueur de temps. Et ainsi, il y a des douleurs dans le dos. Parce qu'ils ont juré que jamais ils s'aimeraient. Et alors, il y a Don Pedro qui dit attends. Toi, t'es un jeune, moi, je suis vieille. Et alors, il met toute une mise en scène, et qu'à la fin d'un coup, et ben, les deux, ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Mais qui c'est qui a monté le scénario? Ben, c'est le personnage, mais en fait, c'est Shakespeare. Alors, Don Pedro, il dit un certain nombre de petites vérités. On se dit, oh, Shakespeare est quand même pas loin. Mais c'est bien l'amuser à se cacher derrière ce personnage. Bon. Il y a d'autres personnes. Si vous connaissez le songe d'une nuit d'été. Dans le songe d'une nuit d'été, il y a un petit lutin qui s'appelle Poc. Et c'est lui qui prend en scène. La scène dans la forêt, etc. Mais alors, c'est très drôle parce que Poc, il fait rien de se gourer. Il met en scène, mais il met ensemble des amoureux qui ne devraient pas être ensemble. En fait, des conneries, Poc. Et alors, je me dis, Shakespeare, en train de monter ça, il a dû quand même bien rigoler. C'est savoureux. Mais la plupart du temps, il ne se montre pas. Il montre, et c'est vous qui tirez les conclusions. C'est pour ça que son théâtre est extraordinaire, parce qu'il n'impose rien. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Mais moi, bon, évidemment, comme c'est ma passion, c'est ce que j'essaye de chercher. Donc, pour répondre à votre question, les sonnets, à mon avis, c'est du pur Shakespeare. Et quand j'avais du mal à traduire, de temps en temps, qui connaissait votre passé, j'ai les fruits de l'idée. Dis donc, William, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je crois que tu peux aller par là-bas. Donc, on est très. C'est son 0-0. Oui, c'est son 0-0. Donc, j'arrive bien. Voilà. Il y a eu les mêmes interrogations avec Molière. Bah oui, votre question. Excusez-moi. Extraordinaire et inépuisable. Marie. Il ne raconte pas vie alors. Alors, je vais la résumer très simple. Alors, je suis tombé dedans pas quand j'étais petit, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que bon. J'avais commencé des études d'anglais, j'avais acheté les sonnets, je les avais lus passionnément et j'avais pas compris rien. C'était magnifique, je ne savais pas pourquoi. C'était ridicule. Et puis, au cours de mes études, j'ai fait une maîtrise sur Shakespeare. Et là, j'ai eu la chance de ma vie, j'avais deux maîtres, enfin, deux profs de maîtrise qui étaient extraordinaires. Et pendant un an, j'ai fait que ça. Et j'ai tout découvert, ils ont fait des convergences,
Shakespeare, l'époque élisabéthaine, le contemporain de Shakespeare. J'ai baigné dedans complètement, et alors c'était une déchet totale, parce qu'en plus c'était inépuisable. Bon, j'étais prof, j'ai pas pu faire beaucoup de Shakespeare en tant que prof, même au lycée, un petit peu quand même. Et puis maintenant je suis à la rappelle, je me rattrape, je me sens perdu, et alors là je fais ça, c'est bien. Et en plus c'est totalement inépuisable, je lis et je relis Shakespeare et j'en retrouve. Encore récemment j'ai retrouvé une petite chose. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai lu, j'ai relu, mais là récemment dans As You Like It, comme il vous plaira, j'ai retrouvé un petit passage, on sent ce passage, c'est incroyable, bon, voilà. Mais c'est inépuisable. Alors, j'en profite pour faire ma pub. Donc, après, j'en pose une question. Donc, ce que je vous ai lu, c'est extrait de ce livre. Donc, j'ai fait, c'est la version bilingue, vous avez ce que Shakespeare a écrit, ce que j'ai osé traduire. Et puis, j'ai fait aussi. Je prends la photo. Je crois que j'en étais à 199. Alors, il se comme ça. 199. Okay. C'est un monde là. Donc, il y a 199. Alors, il y a le tout. Un peu de sa poésie, beaucoup de son théâtre, et puis de toutes les pièces possibles et imaginables. Simplement, c'est des citations hors contexte, à fond, telles quelles. C'est pour ça que j'ai intitulé ça Le petit penseur de Shakespeare. On lit la citation, puis on dit oh merde, disons ça. Ça, c'est pas mal. Bon, c'est tout. Il faut prendre la citation. Alors, c'est pas des aphorismes, c'est quelquefois c'est des aphorismes, quelquefois il y a des citations un petit peu plus longues, quelquefois elles sont très courtes. Si vous êtes intéressé par le livre de mon ami Shakespeare, il en a quelques exemplaires. Alors on verra ça. Et il vous fera une dédicace. La photo va être mise dans le bulletin. Voilà, ça c'est pour vous la passer. Alors moi je le dis là, mais vous pouvez voir. Alors ça c'est des choses que j'ai vues. Vous donnez quelques exemplaires de mon travail. Je vais au hasard. Vous tombez sur 116, c'est le plus beau. Ce que je fais au hasard. Qui c'est ouais, moi j'en ai j'en avais pas eu, hein, vous êtes frustré. Voilà. À qui il s'adresse, parce que si on ne sait pas à qui il s'adresse, c'est quand même un peu perturbant. Et après, je lis comme ça, et puis avec une musique tout à l'heure, et puis ça marche. J'ai fait des lectures depuis la classe de seconde, j'ai fait plusieurs fois des classes de seconde. Alors, les profs aussi, préparer un peu les élèves, mais jusqu'à l'université, j'ai fait tous les publics. Ça, 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 ça,
Et elle me le dit.
Non, Paris, ça m'intéresse pas. Elle était comédienne. Elle préfère l'Autriche. Je suis bien. Ça va, je filme. Mais c'est bon, ça me dit. Ah, parce que ça, c'est bon. D'accord. Alors, petite fille, j'ai fait un livre pour Versailles. Avec plaisir, je vous tiens au courant. Je vous contacte. J'ai un blog avec son article. D'accord, avec plaisir. Voilà. Merci. Merci, à bientôt. Je me demande ce que je ne fais pas. Allons. Ça, c'est une demande spéciale. Alors, accrochez-vous. Alors, en général, je ne le dis pas en public, mais j'ai une demande spéciale. Pour lire le plus triste de tous. Alors, on l'écoute une. Il est triste parce que vous allez voir. Ah oui, c'est le sonnet 66. C'est au moment où le poète est au comble du désespoir de tout. Alors, accrochez-vous quand même un tout petit peu. Sonnet. Si vous voulez, je vous le dirai en anglais après, il est terrible en anglais aussi. Sonnet 66. Ah, je voudrais mourir. Je n'en puis plus de voir que le mérite n'a d'espoir que de mendier, que le vide se grime et paraît agréable, que la foi la plus pure est salement flétrie, que l'honneur lucratif revient aux impudents, que la vertu candide est crûment corrompue, que l'excellence passe indûment pour infâme, que la force trébuche et doit rendre les armes, que l'art, censuré par l'autorité, se tait, que des fous ignorants contrôlent le talent, que la sincérité paraît enfantillage et que le bien captif est asservi au mal. Fatigué de cela, bien sûr, j'aurais pu fuir, mais pour mourir, amour, je dois t'abandonner. Et le blanc, le 69. Oui. Ah oui, je vous dis le 69. Ah non, c'est moi qui le dis. De ce que tout un chacun peut voir, rien en toi ne déplaît qu'en son cœur, il voudrait amender. Les voix de l'âme, en te rendant cette justice, disent la vérité et tes rivaux s'y rangent. Ton apparence gagne un éloge apparent, mais ceux-là même qui connaissent tes mérites, avec d'autres accents, reviennent sur leur dire, parce qu'ils voient plus loin ce que l'œil perçoit. Ils sont de la beauté de l'âme et ils croient pouvoir la mesurer à l'aune de tes actes. Ils jugent simplement, malgré leurs yeux cléments, que ta fleur ravissante empeste l'herbe folle. Si ton odeur s'accorde mal à ton image, cela tient au terreau ordinaire où tu pousses. Voilà. Oh. Merci. Oh.
passe pas qu'il y a pas arrivé. Ah bah non, c'est très beau. En plus, dans le 69, c'est le moment où le jeune homme prend de plus en plus de distance. Voilà. Et c'est là qu'il est de plus en plus malheureux. Non, mais ça va. C'était très bien, merci. Y a-t-il des demandes particulières? Pardon, non, mais Tu continues de filmer ou j'arrête? Je faisais partie. On va écouter nos amis Salima. Qu'est-ce que toi tu... Mais c'est comme vous voulez, c'est votre téléphone. Donc moi je... Au pire, je peux faire pause et vous pouvez reprendre après. J'ai des problèmes, donc on va l'écouter quand même. Et en même temps, si tu veux te présenter un petit peu. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tout, on a fait un tour de table tout à l'heure. Tu peux poser. Alors on fait que mot, hein. Je peux le poser.